Salut, c'est Megadriver 16 sur le jeu Tour de France 2015 pour la suite de mon défi maillot à poids avec Thomas Vauclair. On avait fait sur une première vidéo la première moitié du Tour de France, en tout cas jusqu'à la fin des Pyrénées. Et là, je vais vous proposer la deuxième moitié et la fin de ce défi avec pour le moment un Vauclair dont on voit les statistiques ici. Son 73 en montagne est un petit peu dur à gérer, hein, je vous l'avoue, pour ce défi maillot à poids. Bon, c'était un challenge, hein, je le savais dès le début. Il a beaucoup d'autres arguments à faire valoir, hein, comme ses capacités en vallon et sa résistance et son endurance qui sont très bonnes quand même, hein. Donc, pour le moment, on est deuxième, hein, de ce classement au maillot à poids. Ça s'est pas aussi bien passé que je l'aurais souhaité dans les Pyrénées, même si on n'est pas ressorti bredouille en termes de points marqués. Mais là, il va falloir assurer si on veut aller conquérir ce maillot à poids qui est pour le moment sur les épaules de Froome, je crois, avec ses victoires, hein, à répétition dans les Pyrénées. Et donc, pour les étapes de vallon, je pense qu'on va les gérer. Ça va être une première un petit peu pour moi, de manière tranquille, récupérer, etc. Il n'y a pas tant de points montagne à récupérer que ça. Par contre, il va falloir être décisif dans les Alpes, hein, avec cette succession d'étapes où on peut marquer pas mal de points. Et je reprendrai la main en direct pour les deux dernières étapes, comme j'avais fait sur la vidéo précédente, sur Cotteret et Plateau de Bail pour la vidéo précédente. Et là, je reprendrai la main après les résumés rapides des étapes. Je reprendrai la main donc à la Toussuire et à l'Alpe d'Huez qui vont être déterminantes pour l'attribution de ce maillot à poids, à mon avis. On va voir ça, on se retrouve tout à l'heure après les résumés des étapes et on se retrouve à la Toussuire. Passer en tête du grimpeur, c'est bien. Voilà le classement du dernier grimpeur. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Encore un kilomètre de montée pour la tête de course. Voilà le classement du dernier grimpeur. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. À
À moins d'un kilomètre du sommet, un homme mène la course et il semble bien parti pour s'imposer à Gap. Ça sent la victoire en solitaire ici à Gap. Vas-y, tu peux y aller tranquille. Elle est pour toi celle-là, bien joué. Chute collective, ça risque de provoquer des cassures. Podium. Applaudissez-le, voici le vainqueur de l'étape, Bourg de Péage, Gap. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Du dernier grimpeur. Attention, les coureurs devront être. Allez, allez, dans la piste, allez, Romain. Voilà le classement du dernier grimpeur. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Allez, Nibo ! Allez, Nibo ! Continuez comme ça! Allez, Rodriguez! Allez, Michel! C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider son leader au maximum. Vous devrez peut-être attendre le groupe derrière. Ça sera plus facile à plusieurs. Voilà le classement du dernier grimpeur. We'll be right back.
Et je reprends la main pour le direct pour les deux dernières étapes de montagne de ce Tour de France 2015 avec Vaucler à la lutte pour le maillot à poids. Pour le moment, on est deuxième, 25 points derrière Christopher Froome qui est leader et qui porteur, donc en tout cas qui est leader et qui a ce maillot à poids, même si c'est nous qui le portons puisqu'on est deuxième pour le moment avec Vaucler, mais on ne l'a pas vraiment, donc c'est là qu'il va falloir gérer sur ces deux prochaines étapes avec pas mal de points à rafler. Hein, regardez, là tout suit déjà, le color catégorie, deux cols de catégorie 1 dont à l'arrivée, un col de catégorie 2. Ensuite, on aura l'Alpe d'Huez avec effectivement deux color catégorie, un col de catégorie 1. Donc là, il y a quand même beaucoup de points qui peuvent se faire et on va passer à l'attaque. Hein. Obligatoirement, c'est l'attaque qui va nous permettre, l'attaque dans les échappées, hein, je veux le dire dans ce sens-là, qui va éventuellement permettre à Vaucler d'envisager ce maillot à poids. On va regarder déjà les états de forme pour cette étape de la Toussuire. Alors, même si on a pris du gris hein, pour les étapes, afin de bien récupérer, ça a bien porté ses fruits puisque on voit Vaucler, troisième ici dans la liste, qui est un bel état de forme, hein, une énergie presque complète, voire complète, je ne sais pas. Par contre, malheureusement, mauvais état de forme. Ça, c'est pas de bon augure pour cette étape de la Toussuire, mais bon. Je pense, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Eh bien, je pense qu'on va prendre du bleu. Du bleu au cas où il y ait une échappée qui prenne dans laquelle on est avec Vaucler, bien sûr, mais aussi au cas où il y ait de très bons grimpeurs au sein de cette échappée. Parce qu'il ne suffit pas de prendre d'échappée pour pouvoir marquer des points en montagne avec Vaucler. Il faut également que les autres membres de l'échappée ne soient pas d'énormes grimpeurs comme on l'a vu précédemment dans ce tour. Il y a des fois on ne pouvait pas lutter hein, face à certains grimpeurs. Allez, voilà, Vaucler, on l'avait annoncé, il le fait, c'est tout de suite l'attaque. Si les coureurs souhaitaient s'échauffer, ils devaient le faire avant le départ aujourd'hui. Car regardez, ils sont déjà à l'œuvre dès la cette série de virages sinueux là. Allez, Vaucler qui continue son effort. Un beau col de catégorie 1 hein, à passer. À moins de partir en échappée, ça va être difficile de refaire notre retard sur le maillot vert durant cette étape. Ah oui, mais bon, pourquoi tu nous parles du maillot vert? Ça ne nous intéresse pas. Alors, on a Aidé qui arrive, Didier aussi. Alors que le peloton va bientôt être à une minute, ça c'est plutôt cool. Le leader a assez de points d'avance. Ça l'a bien parti, ça a passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Ah, c'est pas mal, par contre j'aimerais bien que Aidé et Didier puissent venir. Il y a Timer qui essaye de partir aussi. Pour le moment, pas d'énormes grimpeurs, hein. C'est plutôt bien. Un Caruso, ça. Faut voir le G, c'est lequel là. C'est celui de la BMC ou celui de l'autre équipe? C'est dans quelle autre équipe? C'est dans la Katusha, voilà. Ah oui, là, ça essaye de partir dans tous les sens. Le peloton a passé et à plus d'une minute trente maintenant. Ça, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, je pense qu'on peut simuler un peu d'ailleurs, voir comment ça se goupille, s'il y a bien un regroupement, si le peloton nous laisse un peu partir, et se retrouver plus loin dans l'étape au sommet de ce col de catégorie 1. À un peu plus d'un kilomètre du sommet de ce col de catégorie 1, l'échappée composée de quatre coureurs, Vaucler bien sûr, Aidé, Caruso, Didier, à 1 minute 59 là d'avance sur le peloton, donc on ne peut pas dire qu'il nous laisse partir hein, le peloton, par contre on va pouvoir passer en tête, et puis là Vaucler a bien fait comprendre à ses adversaires qu'il les voulait, hein, les points de ce grimpeur. Bon, le directeur sportif m'a annoncé que c'était Aidé le meilleur grimpeur, mais bon, là les qualités de puncher de Vaucler ont peut-être fait la différence. En tout cas, voilà, on empoche les 10 points, et maintenant on va se lancer dans une grosse descente tout en récupérant, bien sûr, mais j'aimerais bien que le peloton nous lâche un peu des baskets. Allez, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, il n'y avait pas de pourcentage de descente. Ça y est, c'est reparti. On va pouvoir récupérer tout en mettant la gomme. Le peloton, ça y est, il relâche un peu du temps. Ça, c'est bon. J'ai envie de regarder. Tiens, Roland, c'est bien ce qu'il a fait, Roland. Il a pris des points montagne en empêchant ainsi Froome éventuellement d'en prendre. Ça, c'était une bonne nouvelle. Et une des rares fois où je peux
remercier l'intelligence artificielle pour cette aide bien sympathique. Allez, 2-18 sur le peloton, ça me semble pas mal. On va continuer cette descente à tombeau ouvert et se retrouver plus loin. J'espère qu'on pourra passer le color catégorie seul. Ça, rien n'est moins sûr. On va vite le voir. Hein. Je vous retrouve plus loin dans cette étape de la Toussuire. On a commencé à marquer des points pour le grimpeur avec Vauclair. Et regardez-moi cette foule. À 2 km du sommet de ce color catégorie, ça va être du tout bon avec Vauclair. Il est tombé en fringale hein, tout à l'heure. J'ai laissé un tout petit peu trop simuler. Je surveillais surtout l'écart avec le retour du maillot jaune là, du groupe Froome. Ils sont 6 hein, d'ailleurs. Et emmené par Poels, son coéquipier. Pouls, peut-être qu'on dit plus Pouls, ouais. Bref. Le monde pour assister à la prise de pouvoir du maillot à poids, celui qu'il porte, en tout cas Vauclair, sur ce classement grimpeur, puisqu'on n'est que virtuellement, on va être virtuellement en tête de ce classement grimpeur en passant en tête de ce color catégorie. Ça va être très bon tout ça. Là, il faut se calmer un peu parce qu'on n'avait plus de bleu encore une fois, mais c'est bon, on passe en tête, on bascule, 25 points de prix. En tête du grimpeur, c'est bien. Eh oui, il va peut-être nous annoncer suivant les scores hein, de ceux qui passent derrière. On voit Val, CD, ça c'est bien. Froome, il risque quand même de marquer quelques points. Hein. Ah, il y a Roland qui s'est intercalé, ça c'est très bien aussi. Il faut que j'arrête de surveiller le tableau là. Caruso, Bulls, voilà, il y a Froome en 10e, il marque qu'un point. C'est très bon ça. Est-ce qu'il nous le dit là qu'on est passé virtuellement en tête? Toujours pas. Mais bon, c'est pas grave puisque il me semble bien que dans les faits, mathématiquement, c'est le cas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah, on va se retrouver au col de catégorie 2. J'espère bien pouvoir passer en tête aussi de celui-là. Hein. À 20 km de l'arrivée. Il faut savoir qu'on est passé en tête du col du Molard avec Vauclair et le directeur sportif a enfin dit effectivement qu'on ne pouvait plus perdre maintenant le maillot à poids. Donc c'est sûrement du fait qu'il y a un petit bug je crois dans le jeu qui fait que même les arrivées au sommet, les points ne sont pas doublés pour le grimpeur. Donc là c'est qu'un col de catégorie 1. Donc, même si Froome marque les 10 points et que moi j'en marque 0, a priori je garderai quand même quoi qu'il arrive ce maillot à poids. Je le prendrai des épaules de Froome, surtout qui ne peut pas le porter vu qu'il a le maillot jaune, mais qui est bien leader à ce classement. Et la situation de course, on a Valls et Roland qui sont en contre-attaque. Donc Roland, ben c'est bien, il prend des points montagne que Froome ne prend pas. Pour son coéquipier Vauclair, c'est très très bien. Ensuite, à 3,28, on a Aidé et Geniese. Et à 3,42, on a le peloton. Peloton, maillot jaune, plus que 24 coureurs. Attention, Valls qui a lâché Roland. Bizarre ça, comment il est Roland? Mais pourtant il est normal. Ouais, bon, il est en carte blanche, ça me va bien. Il a qu'à se gérer en carte blanche. Donc voilà, là on a commencé l'ascension. Je vous retrouve dans le final pour voir si on peut espérer marquer quelques petits points, soit avec Vauclair, soit viser autre chose avec Roland. Ça va dépendre du peloton maillot jaune, à quel point ils veulent rouler derrière moi. Et on se retrouve avec Thomas Vauclair à 5 km de l'arrivée à la Toussuire. Mais regardez derrière qui se présente, le maillot jaune en personne qu'on vient d'entreapercevoir. Je voudrais pas rater mon virage quand même. Et qui font sur Vauclair, hein, bien sûr. Donc grosse étape de Froome. Ça y est, qui vient d'opérer la jonction, il est avec nous. Il devrait être en capacité de nous déposer, littéralement. C'est ce qu'il est parti pour faire, j'ai l'impression, là. Aïe, déjà, il y a les rebords, là. Alors, ce qui m'embête derrière, c'est Roland. Roland, bon, bah alors, tout le monde va prendre son ravitaillement. Et Roland, il va attaquer, hein, parce que c'est dommage, il n'a pas réussi à suivre ce qui s'est passé derrière. Ah, oh là là, Froome, regardez là. Assis sur sa selle, il nous détruit. Hein. Bon, bah, il y a un 82 en montagne face à un 73. Voilà l'explication, Valverde nous a rattrapés.
Ah, ça serait bien qu'on reste quand même pas ridicule. Il y a combien? Il y en a les 6 premiers qui marquent des points. Si Roland pouvait peut-être venir nous aider, je ne sais pas. Avec moins de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants, il va devoir lutter jusqu'au bout. Afcon, il va s'imposer là, c'est sûr. Je vois mal Valverde revenir dessus. Moi, j'ai Pinou qui va m'embêter là. À 1 minute 30 d'avance sur les favoris. À 2,9 km. Je suis à fond sur l'accélérateur. Je ne sais pas si ça va tenir hein, à cette allure-là. Si on peut se mettre un peu dans la protection de Valverde, ça peut peut-être le faire. Il y a Pinou qui prend le classement du meilleur jeune. Oui, pourquoi pas. Allez, 2,2 km. Le bleu est honnête, je sais pas. Les pourcentages sont pas énormes, je crois, dans ce final. Ce serait bien qu'on prenne des points de la troisième place. On va voir si Pinou a la forme pour sprinter. Il en est où, Roland? Allez, Roland, vas-y, attaque une nouvelle fois, s'il te plaît. Ça y est, là, Valverde, il a mis les gaz. Hein. Il a mis les gaz. Ah, c'est bon, Pinot, je suis pas sûr qu'il puisse revenir. On va prendre quand même les points de la troisième place. Je le sens bien, à 500 mètres de la ligne. Et c'est Roland qui est derrière. Ça, c'est très bien. Roland, Pinot, Quintana. Ouais, ouais, ouais. Oh là, qui c'est qui accélère? C'était Quintana, là, qui revenait comme une balle. Bon, c'est honnête. C'est très, très honnête, cette étape de la Toussuire. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Thomas Vogler, effectivement. Ça y est, on le reconquiert, ce maillot à poids qu'on n'avait plus. Même si on le portait, hein, c'était trompeur en course, mais c'est qu'on était deuxième et que le premier était Froome. Comme il portait le maillot jaune, il ne pouvait pas porter le maillot à poids, mais ça y est, on le récupère. Et on va pouvoir aller regarder dans quelle mesure. Je pense qu'on est assez large maintenant. On ne peut pas dire que ce soit déjà gagné, puisqu'il reste quand même l'Alpe d'Huez, grosse étape où il y a encore pas mal de points marqués. Mais, on a dû faire un bon pas en avant. Donc Froome qui s'impose devant Valverde, Vauclair qui fait quand même, malgré son mauvais état de forme, il ne faut pas l'oublier, qui fait troisième, donc podium sur cette étape de la Toussuire, à 39 secondes seulement de Froome. Quintana en excellente forme, excellente forme, il aurait pu aspirer à mieux. Quatrième et Roland qui accroche un top 5, ça c'est pas mal. En plus, on a vu, il a marqué des points montagne à des moments intéressants, puisque sur l'étape Vauclair, il fait un bon carton, là, 46 points montagne. Roland, il en prend 17, Froome, il en prend 11. Donc si on regarde le classement général, on est où? On doit être loin. Roland, il est 14e quand même, honnête. Ça aurait été bien qu'il accroche un top 10, mais bon. Et Vauclair qui s'empare pour 20 points. Voilà, 20... Non, qu'est-ce que je dis? 10 points simplement. Ah ouais, 10 points. Je pensais que j'en aurais pris plus à Benoît. On avait quand même 25 points de retard, c'est vrai. Donc c'est pas si large que ça. On est à 109 points, Froome il est à 99. Il faut pas baisser la garde, c'est sûr. Et c'est Degenkolb pour le maillot vert. Tout à l'heure, j'avais été surpris de voir le maillot vert dans le peloton, alors qu'on était déjà bien dans la montagne. C'est Bardet qui est à 11 secondes, ouais, il va peut-être pas le garder, qui est leader du classement maillot blanc, tiens. Atinkoff qui est leader de l'équipe La Combativité. C'est Vauclair avec plus de 1000 km quand même au compteur en échappée, et on va sûrement en rajouter sur l'étape de l'Alpe d'Huez, sur laquelle on va se diriger tout de suite. Déjà, un bonus de récup, ça c'est du bon. Avec Vauclair, ouais non, il récupère pas tout. Hein. J'ai cru que c'était lui au début, mais c'était bien Roland. Hein. Et donc, l'Alpe d'Huez, regardons les états de forme en espérant en avoir un petit peu meilleur que la Toussuire, pour Vauclair en particulier. Et puis, on va attaquer dès le début. Hein. Ouais, c'est sûr. Alors, notre ami Thomas Vauclair, il est comment? Il est en état de forme normal, mais il a que 2,5 carrés à peu près de barres d'énergie. Bon, c'était prévisible après la grosse échappée qu'il a fait la Toussuire. Roland, oui, bah, il faut pas trop s'en préoccuper non plus, il faut pas oublier pourquoi on est là, c'est le défi maillot à poids de Vauclair. Hein. Donc je pense que je vais à nouveau utiliser le bleu dans... Ouais, parce que je compte pas marquer beaucoup de points a priori sur le color catégorie finale, à moins que ça se passe un petit peu, comme ça s'était passé avec... Chavez sur mon pro team NMCT,
où finalement on avait réussi à s'imposer à l'Alpe d'Huez malgré plus d'énergie. Donc, mais bon, ouais, je vais prendre cette barre d'énergie et puis on va voir. On va à nouveau tenter le coup de partir d'en échapper, en espérant qu'elle prenne aussi bien que la veille, à la tout suivre. Et là, Vauclair, il porte le maillot à poids. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais ce coup-ci, ce n'est pas par défaut, c'est bien parce qu'il est en tête de ce classement pour 10 petits points devant Christopher Froome. Une étape courte et sans répit qui promet du grand spectacle. Et là, on donne tout ce qu'on a pour essayer de faire un petit écart. Une étape cruciale pour le général. Il va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Oui, oui, oui. Allez, courage et faites le maximum. Alors, pour le moment, ça nous laisse partir, on dirait, un petit peu. On est à 45 secondes. Ça continue d'augmenter. C'est bien, c'est bien. Pas de contre-attaque à l'horizon. Après un départ tout en descente pendant les 15 premiers kilomètres, les coureurs entameront la montée du col du Télégraphe. Ouais, ben on passe la minute d'écart, là. Ça, c'est très bien. Je vous propose de vous retrouver plus loin. Pour déjà le premier col de catégorie 1, là, juste avant la zone de ravitaillement, ça ferait du bien déjà de prendre ces 10 points. À 1 km du sommet du col du Télégraphe, Vauclair, 1,30 d'avance sur un petit peloton maillot jaune de 73 coureurs. Il y avait Juan Denis à un moment et Lozada, je crois, qui était en contre-attaque, mais ils viennent de se faire reprendre. Et le peloton, ben, pour le coup, maintenant qu'ils les ont repris, il relève peut-être un petit peu le pied, légèrement, je ne sais pas. En tout cas, ils étaient à une 20, une 15 même à un moment. Et là, il va vite falloir passer parce que j'ai plus de bleu hein, avec Vauclair. Petite descente, mais quasiment rien. Donc, ça va être chaud cette histoire. Hein. Ouais, on augmente notre avance, mais pas tant que ça. Tiens, il y a Mentes qui vient de sortir. Peloton à 1,26, 1,28 à présent. Je crois que ça va être compliqué hein, pour cette Galibier, je crois, là, en col de catégorie, hors catégorie plutôt, je veux dire. Et là, faut récupérer à fond. Si on peut, parce que j'ai pas du tout simulé hein, pour ce col du Télégraphe, je ne pouvais pas me le permettre pour essayer de maintenir un écart tout en me crevant pas. Donc tout en gestion de la barre d'effort, je laissais 2 ou 3 barres jaunes pour ne pas tout cramer, mais avoir un rythme quand même raisonnable. Et là, ouais, là c'est chaud, faut que je donne le ravitaillement, tiens d'ailleurs à tout le monde. Et on ne peut plus se permettre d'être en position aérodynamique là. Donc on n'a même pas récupéré une barre sur deux voilà d'énergie. Le bleu, on le voit là. Ça va être très très compliqué de pouvoir marquer des points au Galibier, hein, je pense. C'est un col très irrégulier. Avec un peloton de 64 coureurs qui a 1,04 là. Ah, ça va être très très chaud. À moi qui décide d'arrêter de rouler, mais je ne sais pas. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, ça s'annonce très très long ce Galibier. Là, il y a beaucoup de monde, hein, c'est sympa. Mais ça s'annonce très 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 long pour Vauclair. Donc je propose de vous retrouver bien au sommet. On verra bien ce qu'il en est. 2 km du sommet du Galibier. Et au prix d'une montée tout en gestion, là, en oscillant avec ces petites barres jaunes, là. Barre d'effort, pas à fond, petit plateau, mais pas non plus trop faible. Ça nous permet d'avoir encore un petit peu de bleu pour pouvoir envisager de passer en tête. Oui, parce que je dis, au prix de cette gestion de montée là, très précautionneuse, eh bien on a 1,50 d'avance sur le peloton. Ça agrandit seconde par seconde, tout doucement. Le peloton, on ne peut pas dire qu'il s'est arrêté, hein. Il roule juste un tout petit peu moins vite que moi. Peloton qui est faible, encore hein, 66 coureurs, donc ça fait quand même mal à certains. Mais en tout cas, cette gestion de montée va nous permettre d'empocher les 25 points. Alors ça, c'est vraiment très bien. J'ai envie de demander à Roland de suivre les attaques si jamais... D'accord, je suis à
ça se bagarre un petit peu au sommet là pour côté des favoris pour empocher des points montagne. En tout cas, Vauclair aura fait le travail. Tiens, il y a Mentes qui s'est échappé. Roland, il est dedans. Ça, c'est bon, ça. Il a bien suivi ma consigne. Est-ce qu'il va marquer des points et empêcher comme ça en prendre plus que Froome, en tout cas? Alors, quand est-ce qu'il passe? En tout cas, il est bien dedans, là, ouais, à 200 mètres. Notamment dans la première partie. Ah mince, ils ont été regroupés. Pantano en deuxième. Et bien les autres. Roche Quintana, Froome, ouais, c'est dommage. Amentes, qui avait lancé quelques hostilités. Et Roland, il n'en a pas marqué, alors d'après ce que je vois, c'est dommage. C'était bien parti pour qu'il contre bien et qu'il empêche Froome d'en marquer, mais bon, il n'en a pas marqué beaucoup, hein, Christopher Froome. Là, on a fait le boulot avec Vauclair, on n'a même pas utilisé pour le coup notre avito, tiens. Et donc, on peut entamer cette descente, je ne sais pas trop ce qu'on peut espérer maintenant. À part si le peloton arrête vraiment de rouler. Mais on a fait le boulot, marqué 25 points au sommet du Galibier, conforté le maillot à poids. Je me demande si mathématiquement, c'est pas bon maintenant. Je pense que si. Avec les 10 points qu'on a pris au Télégraphe, plus que ces 25 points ici, à chaque fois Froome n'en a pas marqué beaucoup, on avait 10 points d'avance. Je pense que mathématiquement, on peut dire que c'est fait. C'était un petit peu son arrivée à lui, hein, à Thomas Vauclair, ce col du Galibier. C'est 25 points au sommet. Il l'a réussi. Donc je pense qu'on peut dire maintenant que le défi va être réussi avec Thomas Vauclair sur ce maillot à poids. Et on va se retrouver plus loin pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que l'étape n'est pas finie pour autant. A tout de suite. Et à 16 km de l'arrivée, à 1 km du sprint intermédiaire, Vauclair toujours seul devant. Devant un peloton maillot jaune. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? En train de se faire décramponner, Froome, oui, surprenant, ça y est, il est revenu. Hein. C'était une anecdote de course, apparemment. Et donc, on aborde ce début d'ascension finale, hein, de l'Alpe d'Huez. Avec 3,50 d'avance sur le peloton maillot jaune. Il y a Thibaut Pinot à un moment qui roulait avec son équipe apparemment. Donc c'était revenu à 3 minutes même. Et puis heureusement ils ont peut-être un petit peu arrêté de rouler. Toujours est-il qu'on aborde ce début d'ascension, ces 13 km avec 4 minutes d'avance. Ça peut être jouable, hein, je me le dis. Bon, hein, maintenant il faut voir, on n'a plus rien, quasiment plus rien en bleu, hein, mais bon. Là, on va y aller à fond jusqu'à ce qu'on utilise le ravito. Et puis après, ce sera de la gestion de la barre d'effort, hein, pour ne pas tomber en fringale avec le tout petit peu de réserve qui va nous rester. Et puis, ça va beaucoup dépendre de comment se comportent les favoris à l'arrière. Pour le moment, 4,08 d'avance à 12,8 km de l'arrivée. On se retrouve un petit peu plus loin pour le final de cette étape finale. Enfin, finale de cette étape, dernière étape de haute montagne de ce Tour de France 2015 avec Vauclair. Cinq kilomètres de l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Et Vauclair qui n'a plus rien. Qui n'a plus rien en énergie, hein, ça, on le voit là. Alors qu'on n'a plus que 2,13 d'avance et ça réduit super vite face aux favoris. Ils sont 7 hein, dans le groupe des favoris. Roland, il est bien dedans. Je lui ai demandé de suivre les attaques s'il en était capable, bien évidemment. C'est pas mal, il est dedans. Par contre, ça revient tellement vite derrière, je pense que ça va être chaud. Hein. Ça va être très très chaud d'envisager la victoire d'étape avec Vauclair. Même si pour lui, c'est fait, hein, son objectif, maillot à poids, c'est définitivement acquis, il me semble. Mais bon, ça aurait pu être bien d'accrocher en plus une terrible victoire d'étape à l'Alpe d'Huez. Là, ça me paraît chaud, vu comment ils reviennent en forme. Là, Froome, ça y est, en plus, là, on attaque la réserve du rouge. 13, ouais. 3 km de l'arrivée, on risque de se faire bouffer dans le dernier kilomètre. Voire moins, voire moins. Regardez comme ils reviennent, 59 secondes.
Oh là là, Froome, Quintana, Pino, Valverde qui sont monstrueux. Là, ils doivent se livrer une bataille féroce qui fait que le pauvre petit Vauclair, il risque de pas pouvoir de voir un TGV passer à côté de lui. De kilomètre 7 de l'arrivée pour être exact, c'est Froome maintenant qui vient tout seul. À 39 secondes, 37. Et moi j'ai plus rien, faut que je ralentisse encore l'allure parce que là le rouge il descend, hein, mine de rien. Même si on essaye de gérer au mieux. Ah là on est un petit peu encore trop sur l'accélérateur, ça descend encore un peu le rouge. Ah, et j'ai l'impression que ouais, ça va, beaucoup vont me passer devant là. Ça y est, on ne fera pas le même exploit qu'avec Chavez. Puisque Froome, il est fort là. Il est rejoint par Valverde, par Quintana. Ok, ils sont tous là. Et là, ils ont encore la force d'attaquer un kilomètre. Ça y est, ouais, on le voit. On est dans le dernier kilomètre. Il a l'air d'être pas très bien, c'est qui? C'est Valverde. C'est Valverde qui est moyen là. Hop. Allez, si on pouvait le doubler, non, ce sera trop dur. C'est un petit peu délicat ce que je tentais. En tout cas, une belle quatrième place pour Vauclair qui lui suffit à son bonheur, à mon avis, pour remporter le défi. Maillot à poids. Il va recevoir les honneurs du protocole. C'est officiel maintenant, voici le maillot à poids, le défi est réussi avec Thomas Vauclair. C'était le challenge hein, quand même avec ses 73 en montagne, mais un très bon puncher et bonne endurance, bonne récup. Et bien voilà, on a été au bout du bout, un beau duel pour ce maillot à poids avec Froome, mais on l'a emporté. Donc sur cette étape de montagne ultime de ce Tour de France 2015, Froome qui s'impose une nouvelle fois, il faudra comptabiliser quand on fera le débrief de ce tour complet, mais je pense qu'il a beaucoup de victoires d'étape, hein, Froome, sur ce tour. Quintana qui fait de Valverde 3, et on retrouve Vauclair 4e, Pino 5e, Roland 6e. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, on se décale tout d'une place là pour Europcar, puisque, voilà, à la tout suivre, on avait fait 3 avec Vauclair, 5 avec Roland, et ben là, on fait 4 avec Vauclair et 6 avec Roland. Ouais, c'est pas mal, c'est petit tir groupé. En tout cas, ce qui suffit à notre bonheur. Si on regarde un petit peu d'abord le général, bon, dommage, Roland qui échouera de peu dans le top 10, aux portes du top 10, il est 12e. Mais notre bonheur, c'est ici. C'est le classement grimpeur avec 158 points pour Vauclair face à Froome, 130 points. Il y avait un duel hein, entre les deux, puisque les autres sont quand même bien plus loin. Et ben voilà, on l'a remporté. Ça fut pas facile, hein, puisque la Toussuire est... Et Alpe d'Huez aussi, il a fallu s'employer. J'ai pas du tout simulé une seconde à l'Alpe d'Huez. Ça a été long et dur, mais bon, il fallait bien ça pour remporter ce challenge. Degenkolb, maillot vert, Pino. Tiens, on est troisième avec Vauclair du maillot vert, voilà. Pino qui a repris, je m'en doutais, a bardé le maillot blanc. Tinkoff, toujours meilleure équipe. Vauclair, largement la combativité. 1217 km d'échappée, c'est énorme. Et donc on va pouvoir se diriger tranquillement vers l'étape de la parade avec notre joli maillot et profiter de ce maillot à poids sur les Champs-Élysées. Et le départ de cette ultime étape, on en profite 2 secondes avec Thomas Vauclair. Ça fait du bien de le revoir un maillot à poids. Hein. Il l'avait déjà remporté sur le Tour de France, je ne sais plus quelle année, 2013 peut-être, 2012 ou 2014, je ne sais plus exactement. Bref, le voilà à côté, il récidive en 2015, à côté du grand vainqueur Christopher Froome, le maillot jaune, le maillot à poids, côte à côte avec la Tour Eiffel en toile de fond. Pas de maillot vert, pas de maillot blanc à l'horizon, non tant pis, bon ben pour la photo c'est raté, tant pis les gars. En tout cas, nous, on en profite et on va se retrouver mais pour le final. On va bien tenter un petit coup avec, avec notre rusé Thomas Vauclair. Place de la Concorde à Paris. L'ultime étape, on vient de récupérer un échappé. Il y avait un coureur en échappé là qui a été rattrapé par le peloton. Est-ce que Vauclair, qui est à l'avant du peloton, pourrait tester quelque chose là? Allez, on met le grand plateau. Dans la descente, peut-être, là, en coupant le virage. Allez,
on tente quelque chose. Voilà, les coéquipiers de Greipel ont... J'ai pas l'impression qu'ils ont envie de nous laisser partir quand même, hein, les coéquipiers de Greipel. On a pris 12 secondes. Ouais. C'est pas flagrant. À 12 km de l'arrivée, je continue mon effort, même si j'ai plus de rouge, mais je continue. Je pense que ça va pas porter ses fruits. Hein. Regardez le peloton qui a 10 secondes à présent. Ouais, ils vont revenir. Ils vont rentrer, ça va rentrer. On aura tenté le coup, mais bon. Mais bon, c'était pas possible, c'est bon, on peut relâcher. On va attendre que notre rouge revienne. Ouais, ouais, ouais. Sprint massif, effectivement, je suis d'accord avec eux. Quoique là, pour le coup, il recommence à ralentir un petit peu. Non, pas vraiment non plus. C'était qu'un effet d'optique. Parce que ça roule quand même devant. Il y a les trains. Les trains des sprinters se sont mis en place. D'ailleurs, il y a le mien, là. Il y a celui... Enfin, le mien. Celui pour Cocard. Est-ce que le rouge est bien revenu? On a pris notre ravitaillement. On travaille un petit peu pour Brian, hein, pour le coup. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y en avait un qui était à l'agonie ou quoi? Ah non. J'ai cru un moment que ça freinait complètement devant. Ah oui, il y aura un sprint massif. Bon, ben, j'ai retenté mon coup une deuxième fois. On va dire que c'était pour Brian Cocard, hein, pour le lancer pour le sprint. Trois kilomètres de l'arrivée. Ah ouais, ouais, mais on va s'écarter. Moi, j'ai fait un gros boulot, hein, limite une attaque. Allez, Cocard, il est bien placé, là. C'est qu'on va même pas pouvoir le voir, on va terminer en fringale, c'est dommage. On va pas forcément pouvoir voir qui va lever les bras. On va le voir sur le tableau sur la gauche. Hein. Tiens, je suis pas le seul, il y a Rayblon qui est mal aussi. Alors Degenkolb devient Cavendish, Sagan, Greipel, Matthews, Demar, Christophe, Cocard qui prend une 8ème place. Bon ben voilà, on aura tenté hein, deux fois dans le final avec Vauclair, mais c'est pas passé. Et ce n'est absolument pas grave, puisque là n'était pas notre défi. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Eh oui, John. Ah oui, là dans la base de données. John Degenkolb qui s'impose effectivement sur l'étape des Champs. Au cours de ces trois semaines de course, on assiste au sacre fréquent sur le jeu d'ailleurs de Christopher Froome. Régulier tout au long de ce ensuite, tour. Ensuite, bien là, c'est le maillot vert qui s'est imposé sur les Champs-Élysées. C'est John Degenkolb hein, qui est donc John le maillot vert. Et voilà ce qu'on toujours attend pour ce défi, c'était lui. Cet homme, Thomas Vauclair. C'était le but de ce Tour de France, ramener le maillot à poids aux Champs-Élysées. Et bien, c'est la vision qu'on en a ici tout de suite. Thomas Vauclair qui réussit son défi maillot à poids. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous donc devrions le voir jouer les premiers rôles. Le maillot blanc de ce Tour de France qu'il a récupéré à la dernière étape à l'Alpe d'Huez. Et voilà donc pour toutes les maillots distinctifs, pour tous les maillots distinctifs de ce Tour, on va pouvoir faire le débrief final de ce défi. Gagner le classement général, la combativité avec Vauclair, ça c'est largement fait. Effectivement, avec plus de 1200 km d'échappée, c'est sûr que c'était rempli. Donc la Cocard 8ème, bon, très bien, très bien, très bien. Si on fait un petit détour par les victoires d'étape, on en a deux. Hein, de toute façon, nous, Vauclair à chaque fois... Vauclair au mur de Bretagne pour sa première victoire d'étape.
Et je voulais comptabiliser les victoires de Froome. 1, 2, 3, bon ben les 3 des Pyrénées déjà, c'était pour lui. Donc ce qui fait aussi qu'on a eu un gros duel avec lui au maillot à poids, c'était aussi ces victoires-là, hein. Surtout d'ailleurs. Vauclair qui s'impose pour sa deuxième et dernière victoire d'étape à Gap. Et ben, Froome qui faisait une quatrième victoire d'étape à la Toussure et une cinquième à l'Alpe d'Huez. Donc 5 victoires d'étape pour Christopher Froome, effectivement. C'est énorme, c'est beaucoup beaucoup de victoires d'étape pour Froome. Et ce pourquoi le duel a été serré aussi avec Thomas Vauclair pour le maillot à poids. Donc au niveau du général, ben, on voit hein, Froome qui s'impose devant Valverde et Nibali, le trio habituel. Avec, on avait vu chez nous, Roland 12e. Et ensuite, à mon avis, il faut aller chercher très loin. Ben, Vauclair, il est 35e avec toutes ses échappées, même si à un moment, il a été beaucoup plus loin. Il y a 1h04. Mais l'intéressant, c'est ici, Vauclair, 158 points, qui ramène donc le maillot à poids, comme c'était l'objectif, devant Froome et ses 130 points, et Valverde à 80 points. On a Vauclair 5e quand même du classement maillot vert. Maillot blanc Pinot, on l'avait vu. La Tink of Saxo qui s'impose. Europe Car chez nous, on est 9e. Vauclair, la combativité largement de 1223 km. C'est peut-être même un record hein, pour moi sur ce classement de la combativité. Autant de kilomètres en échappé. Et donc on fait un total de primes de cumulé de 91 360 euros. Voilà, j'espère que ce défi maillot à poids vous a plu. En tout cas, moi, c'était bien sympa à jouer avec un Thomas Vauclair. Ça fait plaisir de le mettre à l'avant du jeu comme ça, avec ce défi. Et ses qualités de baroudeur ont été mises à rude épreuve, mais on y est arrivé. Sur ce, je vous dis à plus tard.